Si vous êtes tenté par le jugement sur les autres, Luc 6, 37, ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamné. Remettez et il vous sera remis. Si vous êtes tenté par la malhonnêteté avec l'argent, par la fraude, la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livré, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Première lettre à Timothée, chapitre 6, verset 10. Voilà, j'arrête là. Je vous invite à continuer l'exercice. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes ta grâce. Tu es avec nous dans le combat spirituel. Tu es allé au désert pour que nous soyons vainqueurs de toute tentation. Et bien, dans ce temps de carême, nous voulons te suivre au désert. Nous voulons faire silence. Nous voulons te retrouver dans la prière. Nous voulons t'aimer. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons entendre la voix du tentateur, la repérer pour lui répondre avec ta parole. Seigneur, comme nous le disons à chaque fois que nous prions cette prière que tu nous as enseignée, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.